après-midi, on va parler de ça, c'est-à-dire de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qu'on a observé, dont on a des signes indirects dans l'observation astrophysique de l'univers. Donc, en fait, on connaît quand même quelques traces, quelques signes de la présence de cette matière noire, matière obscure, matière sombre, c'est-à-dire une matière qui a des effets, comme on le verra, sur la gravitation, et donc on a pas mal de preuves, disons, de son existence indirecte, mais dont on ne connaît pas la nature. Et aujourd'hui encore, disons, la situation est celle-ci. Donc ça, c'est une introduction très brève. Et mon rôle ici est de faire un peu le lien entre l'astrophysique, l'astronomie, l'observation de l'univers et son observation à travers la physique de l'infiniment petit, avec la physique des particules et tous ces instruments comme les accélérateurs de particules. En particulier donc, je voudrais vraiment passer ici aujourd'hui le message que ce voyage entre infiniment petit et infiniment grand est un voyage, disons, aller-retour, et c'est un continuel échange d'informations, parce que les questionnements fondamentaux qu'on se pose entre cosmologues, astrophysiciens et physiciens des particules sont exactement les mêmes et ont à voir avec l'origine, l'évolution de l'univers. Et on essaye donc, en tant que physicien des particules, de l'expliquer, d'expliquer l'univers avec notre connaissance des interactions, c'est-à-dire des forces fondamentales et des constituants élémentaires de la matière. Donc, je vais parler de ce qu'on a actuellement comme description la plus aboutie des constituants élémentaires de la matière, donc qu'on appelle le modèle standard, et en particulier le dernier tasseau, le dernier venu attendu, qui est le boson de Higgs, qui a été découvert au LHC, et toutes les questions qui restent ouvertes, dont une des plus importantes, la matière noire, pour laquelle on n'a pas de candidat à l'intérieur de cette description qu'on appelle standard, pour expliquer son existence et ses propriétés. Et donc, je vais vous parler de la recherche directe de matière noire dans les détecteurs souterrains, comme a été dit dans l'introduction. Donc, un bref voyage vers l'infiniment petit, si on passe de l'échelle, juste pour vous donner les ordres de grandeur dans lesquels, quand on dit infiniment, c'est un abus de langage, mais quand on parle de l'échelle, disons, du mètre, et on descend ordre de grandeur par ordre de grandeur, au bout de 6 ordres de grandeur, on peut rejoindre le micromètre. Au bout de 9 ordres de grandeur, on arrive, disons, à tout ce qui est le domaine des nanosciences, qui ne sont pas, pour nous, disons, très petites, c'est plutôt de la physique mésoscopique, moyenne, de taille moyenne, jusqu'à arriver à l'angstrom, 10-10 mètres, taille typique de l'atome, des molécules, et encore un saut de 5 ordres de grandeur pour arriver à l'unité de 10-15 mètres qu'on appelle le Fermi, en l'honneur d'Enrico Fermi, qui est la taille typique du proton ou du neutron dans le noyau atomique. Dans l'autre sens, si on repart dans l'autre direction, à partir de la taille de 1 mètre, on continue avec des ordres de grandeur fur et à mesure croissants, on arrive à 1 million de mètres et on arrive aux distances typiques Terre-Lune, et jusqu'à arriver aux distances de l'ordre de 10 à la 9, 10 à la 10, ce qui nous donne des distances d'ordre galactique, voire intergalactique, et donc 10 à la 15, donc, et la taille, disons, ou l'échelle, de grande échelle de l'univers à laquelle on étudie la cosmologie. Donc ce 10 à la 15 qui est là, et le 10 à la moins 15, sont ce qu'on appelle les deux infinis, qui finalement nous servent à étudier les mêmes problématiques et à répondre aux mêmes questionnements fondamentaux sur la nature de l'univers. Donc, jusqu'à, justement, les radiations de fond cosmique, ça c'est une belle image de Planck, qui date de quelques années, c'est l'image, disons, la plus haute résolution de la radiation de fond cosmique qui nous arrive des parties les plus lointaines de l'univers, avec un spectre de corps noir très très semblable dans toutes les directions, qui est une des preuves, disons, ou des colonnes portantes de ce qu'on appelle, un univers initialement en explosion ou en Big Bang ou en phase inflationnaire. Donc, le lien entre les deux choses et notre description théorique, la physique, disons, des particules ou de l'infiniment petit ou infiniment, on a compris ce que ça veut dire, et essentiellement se base sur une description quantique et relativiste, donc relativité restreinte en particulier, et le modèle standard, on a, disons, la théorie la plus aboutie qui, pour l'instant, décrit
tout ce qu'on connaît. Pour aller vers, disons, la partie à grande échelle de l'univers, donc les galaxies, les amas de galaxies, où commence à avoir son poids, c'est le cas de le dire, la force gravitationnelle doit être considérée, elle peut avoir des effets justement même sur l'espace-temps, donc il faut se poser en relativité générale, et effectivement les modèles, pas vraiment les théories, du Big Bang pour les phases initiales de l'univers. Donc, comment on explore ces deux infinis? D'un côté, donc, on l'a évoqué, ça ne va pas être l'argument de cette conférence, les télescopes spatiaux comme Planck, et de l'autre côté, donc, à 30 ordres de grandeur plus petits, les accélérateurs de particules. Pourquoi les accélérateurs de particules? Pourquoi faut-il aller à très très haute énergie pour explorer l'infiniment petit? Bah, en vertu de quelque chose que notre, disons, physicien français Louis de Broglie avait bien compris, un des fondateurs de la mécanique quantique, que la longueur d'onde, disons, d'une particule donc, ou d'une onde, ce qui est à peu près la même chose, est inversement proportionnelle à l'énergie. Donc, pour inspecter des objets de longueur d'onde de plus en plus petite, il faudra aller à une énergie de plus en plus grande. Et aussi, naturellement, pour produire des particules de masse de plus en plus grande, il faudra aller à une énergie disponible dans la collision des particules de plus en plus grande. Donc ça, c'est une motivation fondamentale pour laquelle on va et on essaye d'aller à la frontière technique possible, humainement possible en termes techniques et économiques, de l'énergie. Et donc, on l'a expliqué, un petit zoom sur comment on fait une expérience de physique des particules. On teste donc la matière, par exemple ici un proton, à l'intérieur duquel il peut y avoir une structure. Pour inspecter la structure dans le proton, il faudra avoir une radiation de longueur d'onde très très courte, donc d'énergie très très grande, pour voir, disons, les détails qui sont présents dans cet objet qui peut être extrêmement riche. Et comment on fait cela? Avec deux sources de radiation de très très haute énergie. Soit les rayons cosmiques qui sont gratuits et qui viennent du ciel, qui sont à très très haute énergie, mais sont assez rares, somme toute. Soit avec des accélérateurs de particules. Ici, je montre toujours le Tevatron de Chicago. C'est un accélérateur qui désormais est éteint, qui jusqu'au démarrage du LHC a été la frontière de l'énergie des accélérateurs de particules. Ces deux sources vont nous aider à faire quelques pas en avant dans la conception du monde microscopique qui, disons, démarre un petit peu dans le monde grec, comme Démocrite ou Aristote se penchent sur cette problématique. Donc déjà, disons, Démocrite appelle atomos des objets qui ne peuvent pas se séparer, mais vous verrez qu'on reste dans cette conception même jusqu'au 18e, 19e siècle, quand, disons, la chimie et les expériences de chimie, notamment en Angleterre, en France, sont très très développées. On essaye de cataloguer jusqu'à la catalogation connue comme celle de Mendeleïev des propriétés chimiques, finalement macroscopiques, et donc, somme toute, uniquement électromagnétiques de la matière, mais on n'a encore aucune idée de la structure interne de ces atomes qui définissent les différents éléments. Donc, comment sont constitués ces atomes? Et donc, on passe essentiellement deux millénaires avec une vision démocritienne de l'atome. Donc, notre vision aujourd'hui de l'atome, c'est un objet qui est composé d'un noyau très lourd, très dense, très petit, 10 à la moins 15 mètres de taille, et un nuage d'électrons, de particules, qui, en quelque sorte, lui orbite autour. Donc, dans le noyau atomique, on sait aujourd'hui, à travers ces expériences de collision, un peu comme ces sondes de longueur d'onde toujours plus petite, on a inspecté la structure de cet objet, on a compris que ce n'est pas un objet ponctuel, mais un objet composé, riche en protons et neutrons. Et dans les protons et les neutrons, aujourd'hui, on connaît leur structure en quarks, qui sont des particules, à aujourd'hui, à ce qu'on sait, élémentaires, au sens qu'ils n'ont pas ou ne montrent pas, avec les énergies dont on a à disposition aux accélérateurs de particules, peut-être demain, oui, une structure interne dans ce sens.
Donc, de la vision, disons, de Perrin et de Thomson de l'atome comme une boule de charge positive et négative uniformément distribuée, on passe à la vision donnée par, essentiellement, le gros step, disons, expérimental, a été donné par l'expérience de Rutherford, qui bombarde une feuille fine d'atomes d'or avec des particules alpha, et il remarque que la plupart des particules ne sont pas déviées, tandis que quelques-unes, même quelques-unes, réussissent à revenir en arrière, ce qui est compatible uniquement avec un atome qui a un noyau très très lourd et qui concentre toute la masse et la charge positive en son centre, et un nuage électronique beaucoup plus grand, beaucoup moins dense, et qui porte seulement une fraction petite, disons, de la masse. Donc cette vision, par contre, nous pose des problèmes et a tout de suite posé des problèmes aux physiciens au début du XXe siècle. Deux problèmes importants. Un, disons, cette vision serait une vision de type planétaire. Vous, les astronomes, la connaissez bien. Donc un atome comme un système planétaire, donc avec un centre et une force qui est la force électromagnétique qui fait tourner ses charges. Mais à différence d'un système planétaire où la force est une force toujours centrale, conservative, comme la force gravitationnelle, la force électromagnétique, les charges qui bougent et accélèrent, doivent perdre de l'énergie par radiation, c'est ce qu'on appelle la lumière de synchrotron ou le Bremsstrahlung, la lumière de freinage. Donc, en fait, ces électrons, si c'était uniquement un système planétaire, devraient collapser en quelques microsecondes sur le noyau et notre matière, les atomes n'existeraient pas, les planètes, la Terre n'existerait pas, on n'existerait pas, etc. Donc, c'est un énorme problème qui, en fait, est uniquement résolu avec une conception quantique de l'électromagnétisme. En tout cas, ce qui tient ensemble un atome, donc les électrons négatifs au noyau positif, est essentiellement la première force fondamentale que je vais lister ici, qui est la force électromagnétique. Premier exemple d'unification de deux forces fondamentales considérées jusqu'à la fin du 19e par Maxwell, des forces séparées, en une seule unique théorie, avec comme source de cette interaction la charge électromagnétique. La deuxième force qui apparaît dans la découverte de la structure de l'atome, c'est pour ça que j'y m'y arrête beaucoup, parce qu'elle nous a renseigné énormément sur les forces fondamentales de la nature, donc c'est une expérience faite au début du XXe siècle, c'est que ce noyau, comme on l'a dit, concentre toute la masse et toute la charge positive. Mais toute la charge positive concentrée dans un toute petite sphère de 10-15 mètres de rayon devrait être un système qui explose, puisque charge positive se répulse entre elles, et ça devrait exploser. Qu'est-ce qui fait que ce noyau reste en cohésion et a une structure stable? Et c'est en fait, Rutherford, au début du siècle, avait déjà découvert une nouvelle force de la nature, force fondamentale, qui est la force nucléaire forte, qui d'ailleurs est celle responsable de la cohésion des noyaux et qui est forte au sens où elle est beaucoup plus intense et forte que la force électromagnétique puisqu'elle gagne contre elle. Et c'est aussi la force qui nous permet d'exploiter l'énergie contenue dans un noyau pour produire de l'énergie dans les centrales nucléaires, par exemple. Une autre force nucléaire qu'on voit, qu'on a observée pour la première fois dans le noyau, mais qui est une force fondamentale de la nature, est une force qui est beaucoup plus faible que la forte et la force faible. Pour l'interaction forte ou force forte, en fait, la charge électromagnétique n'est pas sa source, mais on a introduit une charge un peu différente qu'on appelle charge de couleur. Donc la théorie qui décrit la force forte, en particulier élémentaire, va sous le nom de mécanique quantique de la couleur, ou quantum chromodynamics. Et les quarks, qui sont les particules qui sentent cette force, et qui échangent entre eux, non pas des photons, particules de lumière, mais des gluons, donc de l'anglais glucol, qui tient ensemble les quarks dans le proton, peuvent échanger donc des gluons qui portent deux charges, une charge et une anticharge, etc. Et la dernière force, donc l'interaction ou force faible, a toujours été découverte en particulier dans la radioactivité bêta des noyaux, mais est une force fondamentale de la nature et très très importante pour ce qu'on va dire, parce que l'échangeur, disons, le boson médiateur de cette force, c'est les bosons qu'on appelle W et Z, qui moyennent cette interaction et qui ont été découverts beaucoup plus tard que la radioactivité bêta dans les années 80 au CERN et qui ont été pour longtemps les particules les plus lourdes connues parmi les particules élémentaires.
Donc, pour faire un exemple, notre vision d'une désintégration bêta aujourd'hui, dans un noyau, c'est un neutron qui se désintègre en proton en émettant une paire d'électrons neutrinos. Par ailleurs, entre parenthèses, le neutrino a été découvert toujours dans les désintégrations nucléaires. Donc là aussi, une autre pièce du modèle standard nous a été livrée par l'exploration du noyau atomique. Des quarks colorés au sens de l'interaction forte avec une charge de couleur et une charge électromagnétique se désintégrant en changeant de saveur en un boson W qui après se désintègre en électrons. Mais jusqu'à la découverte de W dans 1984, cette représentation était tout à fait théorique. Donc, pour résumer un petit break, deux personnes qui s'échangent un ballon, imaginez un ballon médical comme un boson W qui est très très lourd entre deux petites embarcations, vont naturellement échanger une impulsion portée par ce ballon, et donc on verra la demoiselle qui est à droite probablement partir vers la droite une fois reçu le ballon lancé par l'autre demoiselle. Et ici les demoiselles jouent le rôle des quarks et la balle du boson W qui est échangée entre eux. En tout cas, ça c'est notre description, pas vraiment comme ça, de la physique des particules et des interactions fondamentales où on a les particules de matière qui échangent des bosons porteurs et médiateurs de l'interaction et qui constituent donc et transmettent la force faible, forte, électromagnétique. Donc ça c'est notre tableau, disons, des constituants élémentaires qu'on connaît aujourd'hui, en particulier donc toutes les particules de matière comme l'électron, le muon, l'étau qui sont essentiellement des cousins plus lourds de l'électron, les quarks de type up, down qui constituent les protons et le neutron et d'autres, disons, cousins plus lourds des quarks, les bosons médiateurs de la force forte qui sont les gluons, les photons qui portent l'interaction électromagnétique, les W, les Z, l'interaction faible, et éventuellement le graviton, pas encore découvert, puisque là, pour aller aux énergies où la gravitation est importante, on ne peut pas faire des accélérateurs de particules, il faut regarder les amas de galaxies. L'unification de toutes ces forces est ce qu'on appelle aujourd'hui, ou d'une partie de ces forces en particulier, de la force faible avec la force électromagnétique, dont on avait déjà dit avoir été unifiée par Maxwell à la fin du 19e, constitue ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle standard des particules élémentaires. Le modèle standard ou modèle électrofaible, puisqu'il unifie justement l'électromagnétisme avec la force faible. La force nucléaire ou forte, ce qu'on a dit, la chromodynamique de la couleur, est en fait, disons, construite sur la base de l'électromagnétisme et de la force faible. On a dit, avec la différence importante qui complique un peu les maths derrière, que la charge n'est pas une charge qui est plus, et moins, plus ou moins, mais peut avoir trois couleurs différentes, donc c'est un peu plus compliqué. En fait, ce qu'il manque, et où nos collègues théoriciens travaillent, sur lequel nos collègues théoriciens travaillent beaucoup, c'est les théories de grande unification, il y en a pléthore, pour inclure dans cette description unifiée aussi l'interaction gravitationnelle, qui est probablement l'interaction élémentaire fondamentale qu'on connaît depuis plus longtemps. Donc, ça, c'est l'équation, ce qu'on appelle le Lagrangien, le L de Lagrange, du modèle standard des particules élémentaires. Tout tient là-dedans. Donc, c'est extrêmement beau, synthétique. En fait, bon, c'est pas vraiment comme ça, c'est plutôt ça. Si on inclut tous les termes d'échange, et en particulier, on peut voir ici apparaître, je le vois pas ici, un phi, lettre grecque phi, qui est le champ du boson de Higgs. Pourquoi le boson de Higgs a été dans ce cadre hypothisé en 1964 par plusieurs physiciens, dont François Engler, dont Higgs lui-même? Pourquoi il a été hypothisé dans le cadre de cette unification électrofaible? Parce qu'en fait, ce qu'on a, on ne peut pas expliquer en l'absence d'un boson de Higgs ou quelque chose qui lui ressemble, c'est les masses des bosons médiateur des forces fondamentales. En particulier, pourquoi le photon, comme vous le savez, qui est la particule de lumière qui voyage toujours à la vitesse de la lumière et a une masse nulle, et est toujours ainsi? Et pourquoi les bosons W et Z sont très très lourds, comme on l'a dit tout à l'heure? Il n'y avait aucune explication. Donc, pour donner une masse non nulle à ces bosons, tout en garantissant la masse nulle au photon, c'est une chose fondamentale, sinon on ne peut même pas décrire la propagation de la lumière, il fallait l'introduction d'un nouveau boson, d'un nouveau champ, dont le boson de Higgs est la particule qui peut se matérialiser.
Et effectivement, cette pièce manquante, boson de Higgs, ici, a été découverte il y a quelques années. J'ai participé à cette découverte au LHC dans les expériences ATLAS et CMS, en, disons, terminant la description du modèle standard. Donc, pourquoi dans les accélérateurs de particules, comme on verra, les accélérateurs de particules nous ont permis de découvrir le boson de Higgs, mais peuvent nous permettre potentiellement de découvrir aussi des particules de matière noire. Et il y a deux concepts importants, et un en particulier, donc c'est la question de la transformation de l'énergie en masse. Donc ceci vient justement de la relativité restreinte, où dans les dimensions spatiales de propagation, on introduit aussi une quatrième dimension et une différente métrique qui n'est pas euclidéenne, et ceci nous porte à avoir une dynamique, une cinématique et une dynamique non plus galiléenne, mais relativiste de Einstein ou Lorentz. Et ceci nous porte une conclusion très connue, que l'énergie effectivement peut être transférée en masse. Et en particulier, si on a deux particules qui collisionnent, qui ont chacune une énergie E1, E2, la somme de ces énergies, donc l'énergie totale disponible, peut être, si elle est suffisamment grande, convertie dans la création d'une nouvelle particule très très massive qu'on n'observerait pas dans un atome, dans la matière ordinaire qui est relativement à basse énergie. Une deuxième chose que je voudrais mettre de côté, c'est la question de l'antimatière qui souvent dans ces conférences-là est posée. Alors il n'y a rien depuis le début de la mécanique quantique, il n'y a rien d'extraordinaire pour nous à concevoir l'existence de l'antimatière. Non seulement on peut aussi la produire dans le laboratoire à travers justement la conversion en masse d'une certaine quantité d'énergie qui peut nous créer deux particules, une de matière, un électron, et une de antimatière, un positron, l'antimatière de l'électron. Ça, on peut faire tous les jours en laboratoire. Donc, il n'y a aucun souci, disons, descriptif, théorique à ça. Le vrai problème est pourquoi, en fait, dans l'univers, nos atomes sont faits d'électrons négatifs autour de noyaux positifs. Pourquoi pas le contraire, dira-t-on. Après, si vous me dites, bon, si tu appelles positif ce qui est négatif et vice-versa, Non, mais après, une fois qu'on a choisi une convention, il y a une claire rupture de symétrie, disons, de la matière baryonique. Donc, on a une énorme asymétrie entre matière et antimatière dans l'univers. Donc, on doit penser qu'il y a eu un mécanisme originaire de rupture de cette symétrie, et il y a dû y avoir des mécanismes dans les interactions fondamentales qui ont permis cela. Et c'est un des problèmes qu'on n'a pas complètement éclairci aujourd'hui. Donc, comment on peut faire ça? Au LHC, vous connaissez peut-être ça, c'est un accélérateur de particules qui se trouve à Genève, entre la Suisse et la France, qui fait environ 27 km de circonférence, circonférence qui se trouve à une centaine de mètres sous terre, sont installées quatre cavernes où sont installés des points de collision des faisceaux de protons, où il y a autour des points de collision des expériences, dont par exemple ATLAS, dont je fais partie. Le tunnel de l'accélérateur et l'accélérateur lui-même, disons, a été un prodige de la technique humaine du XXIe siècle, et je dis toujours que c'est l'accélérateur qui a découvert l'OX, non pas les détecteurs ou les physiciens, c'est vraiment les ingénieurs qui ont construit l'accélérateur. C'est un objet donc qui, et d'ailleurs peut-être on peut le considérer l'endroit le plus froid du système solaire, puisque sur 27 km, les aimants supraconducteurs qui font des champs magnétiques d'environ 8 Tesla sont le niobium et les matériaux supraconducteurs sont à une température de l'hélium superfluide, donc 1,9 Kelvin, hein, donc 2 degrés au-dessus du zéro absolu. Cette machine, donc, qui est l'endroit le plus froid et le plus vide du système solaire, a été, étudiée et conçue dans les années 80 et finalement est rentrée en fonction en 2010, donc sur des temps extrêmement longs, et probablement fonctionnera jusqu'aux années 30 de ce siècle. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a des paquets de protons, environ 10 à la 11 protons par paquet, et il y a environ 1200 paquets de protons qui circulent dans un sens, et pareil dans l'autre sens. Et seulement dans certaines régions, ces paquets sont mis en collision.
Ce qui se passe finalement, c'est que deux protons collisionnent entre eux. Mais comme on l'a compris, le proton est un objet complexe et quand on le regarde à une très très grande énergie, ce qu'on voit, c'est sa structure interne. Donc en fait, ce qui collisionne vraiment, c'est les quarks ou les gluons qui sont à son intérieur. Et c'est ceux-là qui vont nous créer des nouvelles particules, par exemple des candidats de matière noire ou de bosons de Higgs, parmi les nombres énormes avec 15 zéros d'événements totaux produits. Donc c'est très très difficile techniquement et surtout aussi une collision de deux paquets de protons dans le LHC ressemble un peu à ça. À l'intérieur duquel on doit observer les produits finaux, appelons-les ainsi, de la collision et doit trouver des produits très très rarement. En fait, c'est plus ou moins ça, c'est une vraie reconstruction d'un événement du LHC où plusieurs paquets deux paquets de protons collisionnent et plusieurs paires de protons collisionnent, vous les voyez bien ici, et ça c'est les produits de des collisions qui ressortent de la reconstruction de notre détecteur. Naturellement, là-dedans, on ne se contente pas d'avoir des belles images comme ça qui peuvent nous fournir un beau, background de desktop, mais on cherche là-dedans des particules qui sont compatibles avec être des produits de désintégration, de bosons de Higgs, de particules supersymétriques, etc. Et comment on fait ça? Je dis un mot, on fait ça avec des détecteurs en couche. Là, c'est un exemple pour le détecteur Atlas. On met des trajectographes qui mesurent l'impulsion des particules chargées, après des calorimètres électromagnétiques qui mesurent les énergies des photons et des électrons, des calorimètres, ça c'est de la matière dense, hein, c'est des absorbeurs de plomb, pour Atlas, ça c'est plomb et argon liquide. Ici, pareil, c'est des métaux assez lourds, avec des détecteurs, des scintillateurs qui peuvent détecter les particules. On mesure l'énergie des particules hadroniques comme les protons, les pions, etc. Et en dehors, toutes les seules qui passent, c'est les neutrinos qui ne laissent aucune trace pratiquement dans le détecteur, et les muons qu'on détecte dans les chambres à muons. Et tout ça mis ensemble donne, ça c'est des photos des quatre détecteurs du LHC, par exemple Atlas, c'est celui-ci, vous pouvez voir la taille d'une personne hein, par rapport au détecteur qui fait 22 mètres de hauteur, c'est comme un immeuble de 7 étages. Donc, pour, voyons si ça marche, oui, pour résumer tout ça, comment on produit une nouvelle particule au LHC? On a un système d'injection avant le LHC, d'accélérateur de plus basse énergie, le booster d'abord jusqu'à 1 GeV, après le PS jusqu'à 25 GeV, où les protons sont accélérés jusqu'à 25 GeV, puis elle rentre dans le SPS, qui était la machine qui a permis de découvrir les bosons W dans les années 80, jusqu'à 450 GeV, et après elles sont injectées dans le LHC qui fait 27 km de circonférence, et vont donc 7 téraélectronvolts, donc 7000 fois leur masse en termes d'énergie. Elles sont accélérées dans le LHC, les protons, les paquets de protons, on a compris que c'est en paquets, et les protons qui sont accélérés d'un côté comme de l'autre, dedans portent des quarks qui portent une charge de l'interaction forte dont on a parlé tout à l'heure. Et quand un proton comme ça collisionne contre un autre proton de l'autre type, c'est les quarks à leur intérieur qui collisionnent et font une interaction fondamentale. Et plus de protons collisionnent, plus on pourra produire des particules rares et massives. Et là, cet exemple-là, reconstruction un peu artistique, mais d'un vrai événement dans Atlas, on voit une particule qui s'est désintégrée dans deux particules qui ne laissent pas de traces chargées, mais qui laissent un dépôt d'énergie dans le calorimètre électromagnétique, donc c'est deux photons. En fait, cet événement-là, c'est un événement d'un boson de Higgs qui s'est désintégré en deux photons, que j'ai moi-même, disons, sélectionné. Et quand on sélectionne plusieurs de ces événements, on a tout un tas d'événements qui ne sont pas le boson de Higgs, et on voit apparaître, en fonction de la masse de la paire de deux photons, un pic à une masse particulière. Et ça, disons, ce pic-là, que vous voyez là, était le premier, pratiquement la chose plus importante, qui nous a permis de découvrir le boson de Higgs et de mesurer sa masse, 125 gigaélectronvolts, environ 125 fois la masse du proton. Ça, c'est un autre canal de découverte, on passe, et ça, c'est le jour de la découverte, où Fabiola Giannotti, Rolf Feuer et Joe Incandela, les représentants d'Atlas et CMS et le directeur du CERN, moi, je suis juste là-haut, tout petit, on a fait voir les résultats d'une expérience et de l'autre. C'était une journée extraordinaire, je pense que je participerai probablement plus à une journée pareille, où, effectivement, les deux expériences connaissaient rien de l'autre,
D'accord? Donc on a découvert nous-mêmes ce qu'avaient les autres ce jour-là, en direct. C'était très émotionnant. Et bon, Peter Hicks c'était ici. Donc je veux retourner une seconde sur le concept de masse, parce que ça nous sert maintenant pour introduire la matière noire. Juste pour que ce soit clair, donc, il y a des masses, donc concept de masse qui est de type gravitationnel, donc c'est une constante multiplicative de l'accélération de gravité et qui nous donne donc le poids, qui est une force effectivement. Il y a un concept de masse, disons, inertiel, indépendamment de la gravité, multiplicateur d'une accélération, pas forcément de la gravitation, qui relie donc la force à l'accélération, donc c'est la deuxième loi de Newton. Et il y a un concept de masse équivalent énergie, qui nous vient de la relativité restreinte. Et le boson de Higgs, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été introduit pour nous permettre de générer la masse des bosons médiateurs des interactions fondamentales. Donc, le boson de Higgs n'explique pas directement notre masse, mon poids, d'accord ? Cette masse-là. Mais il explique la masse des particules élémentaires qui portent les interactions fondamentale. Pourquoi elle n'explique pas notre poids ? Parce que, en fait, le noyau est composé de protons et de neutrons, et le noyau concentre toute la masse de l'atome. Donc, il concentre, en fait, les noyaux de la matière qui nous compose portent toute notre masse. Mais, en fait, dans le noyau, qui est composé de protons et de neutrons, et dans les protons et les neutrons, où il y a les quarks, les antiquarks et les gluons, qui sont très, très peu massifs, toute la masse du proton et des neutrons est, en fait, de l'énergie de lien entre les quarks, parce que les quarks eux-mêmes ne représentent que 1% ou moins de 1% de la masse totale du proton et donc du noyau et donc de l'atome et donc de nous. D'accord ? Donc en fait, disons, le X donne la masse aux particules élémentaires comme les quarks ou les bosons W, mais ne donne pas la masse à la matière ordinaire qu'on connaît directement. Cette masse est essentiellement énergie de lien et essentiellement énergie de lien de la force nucléaire. Ok ? Donc ça, c'est un point très important. Mais la masse du boson de Higgs elle-même peut nous dire, et la masse des particules élémentaires, ici en particulier le quark top, qui est le plus lourd aujourd'hui connu, donc dans ce plan, masse du top, masse du Higgs, donc on a dit 125 GeV environ, et 173 GeV pour le quark top, le modèle standard, et notre connaissance du modèle standard, nous donne un point ici, avec des incertitudes qui viennent des incertitudes expérimentales. Et en fait, le modèle standard nous prédit aussi que cette zone est une zone de stabilité un peu douteuse pour le modèle standard lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, on est au bord de la stabilité, et on peut être, disons, pas très loin d'une zone métastable. Qu'est-ce que ça pourrait dire, ça, dans le cadre d'une nature, d'un univers qui est uniquement expliqué par les particules de modèle standard. Et regardez que je dis ça, je fais cette longue introduction, parce que pour motiver encore plus fortement le fait qu'on veut comprendre s'il y a la matière noire et comment elle est composée. D'accord ? Parce que l'univers pourrait non pas être décrit par un objet, disons, comme on appelle un potentiel en sombrero mexicain, où notre monde se trouve ici dans le minimum d'énergie, bien tranquille, dans une vallée, mais pourrait être en fait plutôt une gamelle de chien, disons, si on peut dire, où effectivement on se trouve dans une position de minimum, stable, locale, mais pas générale. C'est-à-dire que si par hasard, par des effets quantiques, on passe cette barrière de potentiel, comme un effet tunnel qu'on appelle en mécanique quantique, ça peut arriver, et ben on se retrouve ici. Donc on pourrait tomber. Donc l'univers pourrait ne pas être stable. Mais bon, ça c'est dans le cas où il n'y a aucune nouvelle physique. Il n'y a plus rien au-delà des particules du modèle standard. Donc il n'y a pas, par exemple, de particules de matière noire. La matière noire n'est pas expliquée. D'accord ? Donc s'il y a des nouvelles particules, ceci n'est pas le bon potentiel. Donc on peut espérer que, effectivement, l'univers ne soit pas dans une configuration instable. Et donc, il y a plein de questionnements que le modèle standard, auxquels le modèle standard ne nous permet pas de répondre, en particulier, d'où vient la masse des particules et leur hiérarchie ? Pourquoi le quark top pèse 173 fois la masse d'un proton et le charme seulement une fois et demie ? Pourquoi ? On n'en sait rien. Et pourquoi, effectivement, de quoi est composée la matière noire ? Or, il n'est pas possible de trouver des particules dans le modèle standard, même pas les neutrinos qui sont probablement ont une masse très très petite qu'on ne connaît pas encore, mais ne permettent pas de décrire la matière noire, ni encore moins l'énergie noire de l'univers. Et comme on va voir, c'est un problème énorme qui représente quasiment 95% au total matière et énergie noire dans l'univers. Mais aussi, on
peut pas comprendre comment introduire la gravité dans notre description du monde microscopique. Donc la question est, y a-t-il des nouvelles particules, y a-t-il une nouvelle physique, y a-t-il des nouvelles interactions? À l'intérieur de cette nouvelle physique, il devra bien y avoir des candidats pour la matière noire, et là on y vient. Et justement, si on considère que notre univers a environ 14 milliards d'années, où la matière, disons, est froide, à une température basse et une énergie, petite par rapport à ce qu'elle a été au moment du Big Bang, et où la matière peut se condenser en atomes, molécules et matières ordinaires, il y a seulement 1 milliard d'années, disons, la formation des étoiles et des planètes et de la matière qu'on connaît dans l'univers. Il y a environ, 1 milliard d'années après le Big Bang, et à 380 000 années, donc un temps relativement court après le Big Bang, il y a la formation des atomes, donc où la température de l'univers était basse, suffisamment basse pour que les électrons et les protons s'arrêtent à côté de l'autre et forment un atome d'hydrogène. Une seconde ou des fractions de secondes se forment des protons et des neutrons avec des quarks qui finalement sont en énergie assez basse pour pouvoir se mettre ensemble dans un nucléon. Et à quelques, fractions de secondes ou de millisecondes après le Big Bang, disons, on a des températures et des densités d'énergie très, très importantes, donc toutes les particules sont libres, les quarks, les bosons de Higgs, c'était un énorme accélérateur de particules, si vous voulez. Donc on a cette séquence, aller à des très, très hautes énergies aux accélérateurs de particules aujourd'hui, correspond à faire un voyage en arrière dans le temps, en allant dans la direction des premières fractions de secondes de l'univers, où l'énergie était tellement importante que les particules pouvaient être produites, des particules très très massives, comme les particules de matière noire peut-être, ou les bosons de Higgs, les quarks top, pouvaient être produits tous les jours. Okay? Et aujourd'hui, on se retrouve dans un univers froid où ceci n'est pas possible, sinon en construisant des machines accélératrices. Donc, premier lien important entre la physique des particules et la cosmologie, origine de l'univers. Deuxième chose importante, c'est que donc, le Big Bang et l'inflation qui en a suivi, qui est supportée par des observations, notamment la radiation de fond cosmique, et aujourd'hui par les observations, notamment des diagrammes distance, vitesse, des objets très lumineux et très lointains de nous, qui sont par exemple les supernovas. Elles ont un intérêt cosmologique, les supernovas, parce qu'en dehors de l'intérêt astrophysique, ici moi je parle plutôt de l'intérêt cosmologique, c'est des objets qui pendant des temps très courts émettent beaucoup de lumière, donc on peut les voir même s'ils sont très loin de nous. Donc ça nous permet de faire ces diagrammes, et on a donc mesuré de façon assez précise dans les derniers 20 ans que en fait l'expansion de l'univers n'est pas à vitesse constante, mais elle a une vitesse qui change et qui augmente. Donc une expansion accélérée. Donc en fait, si vous y réfléchissez bien, cette expansion accélérée, vous comprendrez qu'elle n'est pas explicable par le modèle standard et les interactions fondamentales dont je vous ai parlé jusque-là. Puisque les interactions fondamentales sont électromagnétisme, interaction faible, forte et gravitation. Et celles qui agissent à grande distance, c'est les interactions qui ne sont pas nucléaires. Donc l'interaction électromagnétique et l'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle, comme vous le savez, c'est une interaction attractive entre des masses macroscopiques. L'interaction électromagnétique peut être répulsive uniquement entre deux charges de même signe, mais on a du mal à croire que une galaxie soit globalement chargée. D'accord ? Et on a du mal à croire que, parce qu'on observe la matière ordinaire étant des atomes, des molécules, elle est en moyenne neutre électriquement. Donc, il n'y a pas de répulsion électromagnétique qui s'opère. Mais un univers qui est en expansion accélérée, qui dit accélération, dit une force, doit bien y avoir une force qui, une interaction fondamentale dont on ne connaît pas la nature, qui accélère cette expansion de l'univers. Donc, c'est un problème en soi. Et un problème tellement grand qu'il représente le contenu énergétique de cette expansion accélérée et environ le 70% du contenu énergétique de l'univers tout entier. Et ce qu'on appelle le problème de l'énergie noire. Un autre problème qui a été, justement, qui est le thème, après cette longue introduction, mais qui nous permet de comprendre bien où se positionne l'intérêt de rechercher la matière noire, dans le cadre d'une description fondamentale des forces et des constituants de l'univers, est la présence, effectivement, de la matière noire, observée notamment, déjà dans les années 30, dans les rotations
dans les vitesses de rotation des galaxies. En particulier, les astronomes et les astrophysiciens comme vous ont mesuré les vitesses de rotation des galaxies en fonction, par exemple, du rayon, de la distance des corps par rapport au centre galactique. Et les vitesses mesurées, disons, étaient de ce type-là. Par contre, quand on s'éloigne du centre galactique, on voit toujours de moins en moins de masse, et on s'éloigne, disons, de la concentration de masse qui émet le plus de lumière, qui se trouve typiquement au centre galactique. Donc on devrait avoir une distribution des vitesses qui diminue avec la distance. Mais ce n'est absolument pas ce qu'on observe. On observe une grande différence par rapport à toutes les prédictions raisonnables basées sur les mécaniques newtoniennes. Ça, c'est des exemples donc, de comment des données expérimentales d'une galaxie en particulier sont positionnées par rapport à la prédiction uniquement tenant compte de la matière visible, donc celle qui compose les étoiles, les planètes, les gaz de la galaxie. Et donc, on a émis l'hypothèse de la présence d'un halo, d'une distribution de matière qui a des effets gravitationnels certains, mais dont on ne connaît pas l'origine, qu'on appelait justement matière noire, et cette matière est sûrement présente dans les galaxies et dans les amas de galaxies. Et cette matière, dont on ne connaît pas la présence, mais les caractéristiques, justement, est responsable environ pour un quart, disons un petit quart, 23% du contenu en énergie et masse de l'univers. Donc ça, c'est, disons, le camembert de l'ignorance humaine, comme je l'appelle. Donc l'énergie noire, on a dit environ les trois quarts du contenu qui ne sont pas connus, la matière noire 23%, et en fait tout ce qu'on sait expliquer c'est environ le moins de 1% d'étoiles, planètes, bien sûr les gaz puisque c'est toujours de la matière ordinaire, disons atomique, baryonique, qui constitue au total disons 4% de la masse de l'univers. Donc ça c'est le problème. Maintenant, cette matière noire dans l'univers, ça c'est le résultat de simulations sur comment la matière noire peut aider aussi à nous faire voir. Il y a d'autres signes indirects de présence de matière noire dans le gravitational lensing, etc. Je n'ai pas le temps de discuter, mais en tout cas, elle peut nous aider naturellement à expliquer pourquoi on observe les structures actuelles dans l'univers au niveau de l'échelle des amas, des galaxies et des amas de galaxies. Ça, c'est une image de simulation celle-ci. Maintenant, notre galaxie aussi doit être naturellement imbibée d'un halo de matière noire, tout comme les autres. Et en particulier, notre galaxie devra être donc dans un halo de matière noire qui sera beaucoup plus grand que la galaxie elle-même. Et cette matière noire, comme pour toutes les galaxies, disons, elle garantit non seulement que les observations des vitesses de rotation soient correctes, mais aussi vraiment la cohésion gravitationnelle à tout le système. Donc, en découle le fait que si, comme on est dans cette galaxie, on ne peut pas changer de galaxie, ça c'est un peu difficile, on est sur une planète dans un système solaire qui est dans cette galaxie, qui bouge par rapport à l'axe de galaxie, et nous on bouge par rapport au centre de notre système solaire, et vu du fait que la densité et l'énergie de ces particules de matière noire est plutôt, disons, son énergie est plutôt basse, on voit comme un vent de matière noire qui est un vent relatif dû au fait que nous, on bouge par rapport à ce halo de matière noire. Donc, par exemple, dans tous les modèles de halo de matière noire, on nous donne des vitesses typiques de 100 km/s des relatives entre le Soleil et le centre de la galaxie, et c'est à ce genre de vitesse qu'on verra les particules de matière noire arriver sur notre Terre. Puis naturellement, comme la Terre fait un tour autour du Soleil sur un plan qui n'est pas exactement sur le plan galactique, on va voir en tout cas des phénomènes éventuellement de périodicité annuelle ou journalière de ce vent de matière noire. Mais il faut déjà la voir, donc il faut la chercher. Et donc, une des idées, justement, c'est d'essayer de voir si on peut détecter ces particules de matière noire dans les expériences sur Terre, où la matière noire, on utilise comme source de matière noire celle naturellement qui devrait être naturellement présente dans notre halo galactique. Donc, il y a trois grandes classes de manières de chercher la matière noire. Une dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui est la
façon indirecte, qu'on appelle, c'est-à-dire toutes ces particules de matière noire dans le halo galactique, peuvent de temps en temps collisionner entre elles ou dans d'autres halos galactiques d'autres galaxies et produire des paires de particules de modèle standard, par exemple particules-antiparticules. Ce genre d'expériences sont typiquement sur satellite, puisqu'on veut voir effectivement la production de ces particules et antiparticules produites par collision de particules de matière noire, sans avoir le bruit de fond, disons, terrestre, de tout ça. Donc c'est l'observation de rayons cosmiques, en fait. Et ça, ça se fait sur satellite, par exemple l'expérience AMS sur la Station Spatiale Internationale. Ou bien, comme je vous le disais, la recherche directe de particules de matière noire qui collisionnent avec la matière nucléaire de notre détecteur, de la Terre, et elle lâche un petit peu d'énergie, elle heurte un noyau en lui donnant un petit peu de recul. Et si on observe les reculs de ces noyaux, on peut détecter l'interaction d'une particule de matière noire avec celui-ci. Ou bien, encore, et c'est là où, dans les prochaines années, et déjà maintenant, il y a une synergie très très importante entre physique astroparticules et physique des particules accélérateurs, produire à travers la collision de particules standards, du modèle standard, des quarks par exemple, des particules de matière noire aux accélérateurs. Et en particulier au LHC, qui est l'accélérateur de plus haute énergie actuellement présent. Donc pour produire ces particules de matière noire, il se pourrait par exemple que deux quarks collisionnent et forment quelque chose, une nouvelle particule, d'une nouvelle physique, au-delà du système du modèle standard, qui se désintègre en deux particules de matière noire. Et ces particules de matière noire étant très très peu interagentes avec la matière ordinaire, sinon on les aurait déjà découvertes, elles s'en vont sans laisser de traces dans le détecteur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des événements où il n'y a rien. Mais ça, ce serait difficile à sélectionner, parce que ce serait un peu compliqué. Donc, on cherche des événements où il y a la production d'un objet, par exemple un boson de Higgs ou autre chose, et plus rien autour. Donc, des événements où on appelle, il y a de l'énergie transverse manquante. Ça, c'est un exemple d'événement ainsi sélectionné. Il y a probablement un boson de Higgs qui se désintègre en une paire de quarks B, qui est ici, et puis plus rien dans le reste du détecteur. Et ce plus rien pourrait être, par exemple, le signe de la production de deux particules de matière noire qui n'interagissent pas avec le détecteur. Et donc, on s'attendrait dans la distribution des données, ici vous voyez toutes les données en noir, toutes les différentes simulations de bruit de fond que je vous passe, et cette courbe rouge-là qui serait un signal de matière noire, de particules de matière noire produites au LHC. Donc, en voyant des différences là-dedans, on les cherche, ou bien on exclut leur présence. L'autre manière de faire qui conclut cette présentation et où on allait se diriger est la recherche directe de matière noire dans les détecteurs, donc souterrains, en laboratoire souterrain. Alors, le principe ici est que donc on a une matière, la matière ordinaire, qui est composée de noyaux, qui sont, eux, composés naturellement de nucléons, donc protons ou neutrons. Une particule de matière noire qui arrive de l'halo galactique et collisionne contre un constituant du noyau et en lui transférant une certaine énergie cinétique. Tout le noyau recule, subit un recul cinématique et ce recul est, disons, énergétiquement n'est pas très très important, mais il est détectable. Il est potentiellement détectable. Donc, si on réussit à transférer ce recul, cette énergie déposée sur un noyau par une seule particule de matière noire et à pouvoir le lire dans le détecteur, disons, le détecter justement, on pourra détecter la présence et l'interaction d'une particule de matière noire avec notre matière. Donc, c'est clair que la principale problématique expérimentale pour ceci est que déjà, les particules de matière noire leur interaction avec la matière ordinaire est très rare, donc il faudra un détecteur très grand, constitué de beaucoup de noyaux, pour pouvoir avoir une probabilité non nulle de voir quelques interactions. Et on devra avoir un détecteur très très propre, extrêmement propre, par exemple tout ce qui est la radiation naturelle, le bruit de fond naturel de radiation qu'il y a typiquement dans la roche, etc., doit être abattu, pour pouvoir avoir idéalement un détecteur qui n'a pas de bruit de fond et où, si on observe un recul nucléaire, on est en mesure de dire avec un certain niveau de confiance statistique très très important
que c'est le signe de l'interaction d'une particule de matière noire. Donc ça, c'est le défi, disons, technique, expérimental et scientifique pour les prochaines années. En particulier, on utilise comme cible, et ça, c'est l'expérience Dark Side en particulier dont je vais vous parler, donc le Dark Side of the Universe, c'est aussi le nom Dark Side de une des expériences de pointe, qui sera de pointe pour les prochaines 10 années, utilise un liquide particulier, un liquide composé de gaz noble, en particulier argon. On peut utiliser du xénon aussi, tous les deux ont des bonnes propriétés. Et donc on fait une cible, on constitue une cible d'argon liquide, par exemple on la voit ici en bleu, la particule de matière noire arrive et fait un recul avec un noyau d'argon. Le noyau d'argon ionise, c'est-à-dire casse des liens entre électrons et noyaux des autres atomes d'argon voisinants, et l'argon a une propriété très bonne d'émettre une lumière de scintillation quand il est excité. Donc on peut voir cette lumière si on dépose, disons, on dispose de photodétecteurs, de détecteurs de lumière, en particulier ici c'est des photomultiplicateurs, mais aussi maintenant on utilise de façon un peu plus moderne des silicon photomultipliers, donc des photomultiplicateurs basés sur des siliciums, et on observe la lumière de scintillation. Naturellement, il faudra s'affranchir de tous les bruits de fond naturels qui peuvent donner le même signal, et ça c'est un peu le défi. Donc ça c'est un dessin un peu plus technique de ce type de détecteur et toutes les différences qu'on peut exploiter dans les temps de relaxation de la réponse en lumière pour les bruits de fond de type, recul d'électrons et bruits de fond de type recul de noyaux. Et ça c'est une photo du vrai détecteur qui est actuellement installé au Gran Sasso, qui est un laboratoire souterrain parmi les plus importants et grands dans le monde, qui se trouve dans le centre de l'Italie, et qui actuellement a une cible d'argon liquide d'environ 50 kg. Vous comprenez bien que 50 kg c'est un test. Ici on veut voir des particules de matière noire qui interagissent avec très très bas taux avec la matière ordinaire, donc il faudra faire des cibles beaucoup plus importantes. Donc, ce type de recherche avec différentes techniques, celle que je vous ai évoquée avec l'argon liquide est très prometteuse pour le futur, mais il y en a d'autres, avec le xénon, avec des cristaux, avec différentes techniques expérimentales, se font aussi dans différents laboratoires dans le monde, en particulier un laboratoire en Chine qui s'appelle Jinping, qui est très prometteur puisqu'il se trouve à une très grande profondeur sous la roche. Le Gran Sasso en Europe, qui est le plus grand. Après, disons, Modane, qui est le laboratoire français sous le Fréjus, est désormais en voie de, disons, fermeture ou de non-expansion, mais il a été un des pionniers de cette physique. Et dans l'Amérique du Nord, à Soudan, à Homestake et à Snowlab, au Canada, où il y a des laboratoires de ce type. Ça, c'est un peu le cadre des recherches actuelles des particules qu'on appelle WIMP, donc massives et qui interagissent faiblement, donc les candidats de matière noire, en fonction de leur masse, donc 10 JeV, 10 fois la masse d'un proton, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. On ne la connaît pas, leur masse, donc on les cherche partout. Et ça, c'est les limites expérimentales en fonction de, disons, la probabilité de les voir, en fonction de leur masse. Et donc, ça veut dire que elles ont sûrement pas une probabilité plus grande que ça d'interagir avec la matière. Donc ces courbes-là, qui sont les différentes expériences faites jusqu'à présent, excluent la présence de particules de matière noire dans cette région du plan. Donc elles peuvent rester encore, disons, la région à explorer, cette région-là, jusqu'à arriver à un bruit de fond naturel qui va être celui des neutrinos qui viennent du Soleil, qui est une grosse source de neutrinos et qui se trouve par ici, et les neutrinos atmosphériques, des rayons cosmiques, qui en fait se comportent avec la matière un peu comme une particule de matière noire, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire une collision avec les noyaux et donner le même type de signal. Donc, où est-ce qu'on fait ça? Au Gran Sasso, en particulier. Le Gran Sasso, c'est un laboratoire de l'Institut National de Physique Nucléaire Italien, mais qui est un laboratoire international qui a trois grandes galeries et halls expérimentaux qui font environ 100 mètres de longueur chacun pour une vingtaine de mètres de hauteur des tunnels et qui se trouve sous la montagne du Gran Sasso qui fait environ 3000 mètres de hauteur. Et il a la particularité par rapport à d'autres de se situer en correspondance d'un tunnel d'autoroute. Donc c'est pratique, on y rentre en voiture. Il y a une sortie souterraine de l'autoroute et on rentre dans les laboratoires. Et ça c'est une chose très importante en fait pour ces laboratoires-là qui se trouvent sinon dans des ex-sites de mines et qui ont
des ascenseurs de descente qui peuvent être très longs et compliqués à gérer. Donc ça, c'est des images de la montagne qui est très belle. Entre parenthèses, le Gran Sasso se trouve juste à côté de l'Aquila, la ville frappée par le tremblement de terre il y a quelques années, et juste à côté, à quelques kilomètres en vol d'oiseau, des villes frappées par le tremblement de terre récemment, ce mois d'août et ce mois d'octobre. Et des vues des galeries souterraines où se trouvent des expériences qui font de la physique de neutrinos. En particulier au Gran Sasso, il y a aussi eu un faisceau de neutrinos qui, au départ du CERN, était envoyé au Gran Sasso pour étudier les oscillations de neutrinos, et des expériences de neutrinos atmosphériques, solaires et de recherche de la matière noire. Donc un laboratoire, disons, pluridisciplinaire des astroparticules. Il se trouve donc environ à 1400 mètres de roche de profondeur, d'épaisseur de roche qui le protège de toute une grande fraction des rayons cosmiques, donc ça constitue un écran indispensable pour faire ce genre de physique. Et dans les galeries, en particulier dans le hall C, est installée l'expérience DarkSide, qui pour l'instant se constitue donc d'une TPC, donc d'une chambre à l'argon liquide de 50 kg, qui est dans un système complexe de couches, comme un oignon, de détecteurs qui essayent de et qui sépare les bruits de fond en les étiquetant. Quand un neutron, par exemple, arrive, on peut l'étiqueter dans ce détecteur en boule, et quand il arrive dans la chambre, dans la cible pour la matière noire, il est déjà étiqueté. On peut, disons, savoir que c'est un bruit de fond. Puisque la particule de matière noire interagit tellement rarement que si elle interagit une fois ici, elle n'aura pas fait aussi une deuxième interaction au détecteur. Sinon, ça veut dire qu'on les connaîtrait déjà, ces particules. Et ça, c'est donc la boule dont je vous parlais, et là, le détecteur qui est celui-ci. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, le résultat actuel, et on a obtenu effectivement, et c'est la première fois qu'une expérience de ce type obtient effectivement dans la région de signal que vous voyez ici, inutile de vraiment d'aller dans le détail de qu'est-ce que c'est tout ça. Ça, il y a plein de données ici qui sont du bruit de fond, qui est extrêmement bien séparé de la région où on s'attend un possible signal, qui est la région en bleu ici. Donc vous voyez, il n'y a aucun bruit de fond qui pénètre dans cette région, et c'est pratiquement la seule technique aujourd'hui viable qui nous permette de penser à des détecteurs très grands, tout en garantissant cette propriété très importante d'avoir zéro bruit de fond expérimental. Donc elle a un grand potentiel pour la découverte dans les prochaines années. Et en particulier, donc du coup, on s'est mis au travail et on est en train de demander d'être approuvé pour que le financement de notre projet futur, qui constitue un détecteur basé sur la même technique, donc qui passerait de l'actuel 50 kg à environ 20 tonnes d'argon liquide dans le détecteur, et une structure similaire de détecteur extérieur pour taguer, étiqueter les bruits de fond. Et ça, c'est un zoom du détecteur lui-même. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de techniques innovantes, en particulier les nouveaux photodétecteurs qui remplaceront complètement les photomultiplicateurs que vous connaissez sans doute, qui sont les silicone PM. Donc c'est un R&D très important pour les industries aussi qui les produisent. Et tout autour, le cryostat qui va être fait en titanium ultra pur, là aussi pour garantir que le taux de bruit de fond soit le plus bas possible. Et de toute façon, des détecteurs extérieurs qui vont faire le veto des bruits de fond. Donc, un détecteur qui finalement sera 400 fois plus massif que les détecteurs actuels, donc qui aura des chances de pouvoir voir des phénomènes rares, comme l'interaction d'une particule de matière noire avec la matière, et tout en garantissant donc zéro bruit de fond expérimental. Donc, ceci est très très important et nous fait penser que cette expérience sera la principale atout pour notre communauté pour découvrir éventuellement la matière noire dans les prochains 10 ans. Pour faire cela, il y a une petite parenthèse avant de compléter qui est intéressante, parce que l'argon, qui est notre cible, a un petit problème que je vous avais caché. Dans l'argon, disons, naturel, qui est essentiellement de l'argon 40, il y a une composante qui est l'argon 39, qui est généré un peu comme le carbone 13, le carbone 14, qui est généré par les ions cosmiques. Donc, et cette composante est embêtante parce qu'elle se désintègre en électrons bêta et elle nous donne un bruit de fond important.
Donc, on a eu l'idée d'aller chercher de l'argon qui se trouve dans de l'air, non pas atmosphérique, mais des bulles d'air sous le sol, en particulier au Colorado, dans cette zone d'extraction de CO2, d'argon, d'hélium. Et en fait, cette aire souterraine dans laquelle il y a de l'argon a été abritée des rayons cosmiques pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années. Et donc l'argon 39 qui nous dérange s'est complètement désintégré, ou en très très grande partie. Donc c'est un argon très pur qu'on extrait de là, on l'a ensuite envoyé au Fermilab à Chicago pour une ultérieure purification par distillation cryogénique, et après envoyé au Grand Sasso, et c'est avec ça qu'on opère actuellement le petit détecteur qui nous a permis de faire cette première mesure sans bruit de fond. Les projets futurs du détecteur sont aussi liés à un autre projet qui est très important pour l'impact plus large au-delà du monde des sciences pures. C'est le projet ARIA qui va être installé en Sardaigne dans des mines de charbon qui, comme en France, sont toutes désormais fermées et qui ont des structures très importantes, des puits en fait, qui font environ 500 ou 600 mètres. On va installer une colonne de distillation cryogénique qui fera environ 350 mètres, donc un petit peu plus que la tour Eiffel, et qui permettra de produire des échantillons importants, des tonnes et des dizaines de tonnes d'argon très purifié. En fait, ceci sera très important parce que c'est une façon aussi pour sociétale, parce que dans cette région de la Sardaigne où les mines sont désormais désaffectées, ça permettra de revivifier le secteur, et aussi de produire des isotopes radioactifs très rares, mais qui peuvent se séparer et qui peuvent être utilisés et revendus dans le cycle de la médecine, de l'imagerie médicale. Donc c'est une chose qui est très intéressante et qui, disons, est un sous-produit de cette recherche. Pour nous, ce qui sera important, c'est d'avoir une cible très pure qui nous permettra d'avoir un détecteur à zéro bruit de fond. Et ça, c'est notre prédiction, avec laquelle on demande maintenant aux institutions américaines et européennes de nous financer ce projet. C'est qu'on va pouvoir arriver avec ce projet-là et son extension qu'on appelle Argo à exclure ou trouver la matière noire dans toute la région du plan qu'on avait décrit tout à l'heure, qui reste encore à perlustrer et à investiguer. Donc, dans une dizaine d'années, disons, cette région pourra être soit exclue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de particules de matière noire qui foncent dans ce régime de masse, ou bien on pourra être en présence d'une découverte. Donc c'est quelque chose qui, une nouvelle porte et une nouvelle possibilité expérimentale qui n'était pas du tout ouverte il y a quelques années, et qui maintenant s'ouvre. Donc ma prédiction, disons, sera que les prochaines années seront sûrement les années où la physique fondamentale fera des pas en avant très importants dans la détermination des propriétés et l'éventuelle découverte de la matière noire. Merci.